voici à nouveau ensemble d'Euro Disney pour notre émission exceptionnelle. Il y a toujours beaucoup de monde qui continue à rentrer dans le parc et j'espère que vous amusez bien avec nous. Et oui, ça va être un grand moment, ça on n'arrête pas de vous le dire, mais que voulez-vous, c'est assez impressionnant, vraiment, n'est-ce pas Julie? Mais oui, et puis il faut penser que vous êtes un petit peu privilégié, parce que si vous n'avez pas eu la chance d'être là, dans le train que vous voyez actuellement, eh bien nous pouvons vous le montrer en images. Et regardez, les gens ont l'air d'être ravis, ils nous font des coucous, et il y a même Mickey, regardez. Et oui, un petit train à vapeur, oui. C'est rare à notre époque. Qui part de la gare de Main Street. Tout à fait. Mais nous allons bien sûr retrouver, comme d'habitude dans le Disney Club, un nouvel épisode de Super Baloo. Super Baloo qui part à la recherche de la cité perdue de Kin. Et il n'est pas au bout de ses peines, notre cher Baloo. Oh, voici donc un nouvel épisode de Super Baloo. Et nous revoici ensemble depuis Euro Disney pour notre émission exceptionnelle. Et comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Derrière nous se préparent les dernières petites répétitions pour le grand spectacle. Parce que dans quelques instants, il va y avoir un moment exceptionnel. Et oui, il y a la fanfare. Oh, on voit des images du parc. Alors qu'est-ce qu'on... Oh, bah regarde, ça c'est Main Street. Oh, mais c'est Mickey qui est dans une voiture avec Michael Eisner. Et oui, Michael Eisner qui est le grand patron de chez Disney. Mickey toujours en pleine forme. Et puis toujours de la fête, Mickey, évidemment. Qui salue la foule avec une fanfare apparemment, oui. Une fanfare. Bah écoute, c'est la fête, c'est merveilleux. C'est très émouvant. Et c'est vrai que dans quelques instants, nous allons vivre un moment plein d'émotions et puis très très important pour Euro Disney. Alors je vous propose de rester bien avec nous pour la suite du Disney Club. Julie, vous parlez d'un moment exceptionnel, eh bien ça vient d'ici quelques instants, c'est peut-être même là, c'est la cérémonie, l'inauguration du parc. Grand moment s'il en est, des moments qu'on n'oubliera certainement pas, n'est-ce pas Julie? C'est fabuleux. Tu es ému, Philippe. Oui, vraiment. Et bien justement, derrière nous, bah regarde, il y a le grand chef d'orchestre qui est là, avec les violonistes, bien sûr le château qui ne bougera pas. Et puis, je crois qu'il y a de petits chanteurs qui se préparent aussi. Regarde, ils sont en costume magnifique, la fanfare. Et puis les petits chanteurs dont tu parlais, oui, effectivement, nous les avons vus tout à l'heure. Vous allez certainement les voir très rapidement. Ils sont tout mignons. Et regarde le monde qu'il y a. Envahit le parc. Eh oui. Ah, attention. Monsieur le chef d'orchestre. Accueillons le maître de ces lieux, Mickey. Voilà Mickey. Voilà Mickey, super. Master of Ceremonies, Mickey Mouse. Mais oui, c'est sûr, ça ne peut être que Mickey, c'est la star ici, Mickey. Regarde-le, coucou. Bonjour Mickey. Toujours aussi belle. Souhaitons la bienvenue à notre ambassadeur d'Euro Disney, Sabine Marquand. Oui. Sabine que nous connaissons, puisque nous l'avons déjà reçue dans le Disney Club. Ambassador to the world, Sabine Marquand. Ah, Sabine va arriver d'un moment à l'autre. La voilà. Et oui, vous la reconnaissez maintenant. Sabine va nous faire un discours. Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour et bienvenue à la grande inauguration d'Euro Disneyland. Vous êtes nos premiers invités et au nom de toute l'équipe d'Euro Disney, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette grande journée. C'est un moment formidable, nous avions prévu d'ouvrir les portes à 9h01 et bien nous les avons ouvertes à 8h01. Good morning ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the grand dedication of Euro Disneyland. On behalf of all the Euro Disney cast, version anglaise, mais vous aviez compris en français. Bien sûr. Et oui, si on a ouvert les portes à 8h, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui attendait devant les portes, donc on ne pouvait pas les laisser en dehors du parc, c'est normal. Et Nicolas, tu peux voir tout ça de ta place? Eh bien écoutez, Julie, Philippe,
Oui, je vois tout ça de ma place et moi je peux vous dire qu'ici à Discoveryland où je me trouve actuellement, il n'y a personne et forcément puisqu'ils sont tous sur la place centrale en train de regarder tout comme vous la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est, et d'ici je vois Mickey et Sabine Marcon, effectivement. Sabine qui vient apparemment de finir son discours. Exactement. Et nous allons accueillir Robert Fitzpatrick, qui est le grand patron d'Euro Disney ici en France. Qui va certainement nous faire un discours qu'on attend avec impatience. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements derrière nous. Bonjour et bienvenue à vous tous. Welcome to Euro Disneyland. Bienvenidos, welcome. Welcome. Mickey avec son beau costume. Dans toutes les langues. Welcome. Welcome. Euro Disneyland. Bienvenue dans le royaume enchanté. Et oui, bienvenue pour tout le monde, puisque c'est le moment le plus beau. Je crois que je vais garder très longtemps ça dans ma mémoire, Philippe. Bien sûr. Être là au moment où Monsieur Fitzpatrick, au moment où Monsieur Mickey en personne annonce l'ouverture officielle du parc. C'est très merveilleux travail. Et derrière nous, il se passe plein de choses. Par la magie des choses. On a eu Nicolas. Oui. Que se passe-t-il de ton côté? Je vois qu'il n'y a toujours pas grand monde à tes côtés. Mais... Écoutez, Julie, Philippe, moi je retourne sur Main Street parce que nous avons un superbe petit sujet à voir qui va nous faire faire un tour d'horizon du parc. Nous reviendrons probablement sur la cérémonie d'ouverture. Donc le temps de nous transformer, de nous déguiser en costume 1900 et c'est parti. Allons-y. Bah, d'autant plus bête qu'à cause de ça, on risque de rater le train. Allez! Oh. Attendez-moi, vous êtes pressés! Bon, écoute, Nicolas, tu ferais mieux de te dépêcher au lieu de faire du lèche-vitrine sans arrêt. Mais oui, justement, Nicolas, on est pressés. Oh, attendez, juste 5 minutes, je vais voir ça, là. C'est bon, super. Non, Nicolas, reviens, on n'a pas le temps, tu feras ça un autre jour, allez! Oh, Julie, Philippe, ça, là, juste 30 secondes. Le non, temps mais écoute, Nicolas, apparemment, tu n'as pas compris notre raisonnement. On va louper le train, Nicolas. Hé, Nicolas, d'ailleurs, on ne sait même pas où est la gare. Bah, c'est pas un problème, ça. Suffit de demander à quelqu'un, chère la demoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous pourriez nous indiquer la gare la plus proche? Bien sûr, la gare, elle est là, la gare. Ah, bah ça, alors. Ben dis donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais au moins, on est arrivé avant le départ du train. Attention, c'est parti. Oh, regardez ces canyons, cette terre rouge, ces plateaux balayés par le vent. Big Thunder Mountain. Et là, ces bateaux à aubes venus tout droit du Mississippi. Attention les garçons, nous arrivons dans le monde merveilleux d'Adventureland. Ouh, j'en ai froid dans le dos. Avec ces pirates et cette tête de mort là-bas. Oh, arrête Philippe, il n'y a pas que des pirates à Adventureland. Il y a aussi le souk marocain et la cabane des Robinson. N'empêche qu'on se croirait revenu au temps de l'île au trésor. Ah, nous arrivons dans un pays que j'affectionne tout particulièrement, Fantasyland. Oh oui, moi aussi, j'aime y retrouver Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige, Peter Pan. Pinocchio, Dumbo. Et le château de la Belle au Bois Dormant. Oh, vous savez, moi les garçons, après cette fabuleuse balade, je sens que je vais me faire un petit ciné. Petit? Petit? Le Visionarium a quand même un écran à 360 degrés, Julie. Oui, et le ciné magique offre une projection de ses films en relief. Et ça n'est pas tout. On peut voyager à bord du Star Speeder 3000, inspiré tout droit du film La Guerre des Étoiles. Presque rien vu. Nous reviendrons, tu le sais bien. Patience. Allez. Et oui, Julie, nous sommes toujours au Disney, mais patience, c'est vrai, comme te le disait Nicolas, puisque ce petit train nous a fait voir une vue d'ensemble du parc. Mais grâce à Nicolas, justement, nous allons pouvoir voir en détail les différents pays qui le composent. Bah justement, là, je crois qu'il est à Discoveryland, alors peut-être que Nicolas pourrait nous donner quelques petits tuyaux. Alors, Nicolas, que se passe-t-il à Discoveryland? Eh bien, écoutez, Julie et Philippe, à Discoveryland, il se passe rien. Et pour cause, la cérémonie d'ouverture n'est pas encore tout à fait terminée, donc je suis pratiquement tout seul. J'ai beaucoup de chance. Enfin, vous êtes avec moi. Ici à Discoveryland, c'est le pays de la découverte, du rêve, de l'invention, des savants. Alors,
À ma gauche, ici, il y a une attraction formidable que je vous recommande. Ça s'appelle le Visionarium. Qu'est-ce que le Visionarium ? C'est un cinéma. Oui, mais alors vous allez me dire, un cinéma, bon, ça, tout le monde peut voir un cinéma. Oui, mais c'est pas n'importe quel cinéma. C'est un cinéma qui projette des films à 360 degrés. C'est-à-dire que l'image vous entoure complètement. Et en plus, dans ce film, qui raconte l'histoire de Jules Verne, présenté d'ailleurs par Michel Piccoli, il y a également Jean Rochefort et Gérard Depardieu. Belle distribution, n'est-ce pas ? Et derrière moi, il y a ce qu'on appelle Orbitron. Orbitron, c'est une attraction que Philippe affectionne tout particulièrement. En particulier quand il a tout d'un coup des lubies, des rêves, il se prend pour un astronaute et il décide de partir dans l'espace. Regardez. Non, attends Nicolas, je crois qu'il faut donner l'explication à nos amis qui nous regardent. Oui, je crois que tu as raison, Julie. Alors, mes chers amis, vous allez assister à une grande première dans le Disney Club. En effet, Philippe va tenter d'atteindre la planète Megastar à bord d'une de ses fusées. Alors, ça nous fait beaucoup rire, mais il y croit dur comme fer. D'ailleurs, le voilà. Oxygène qui est déréglé. Il est en plein délirium profond là. Paix mes amis, je suis venu en ami, je suis l'ambassadeur de la Terre. Paix mes frères, je suis venu prêcher la bonne parole au nom des miens les terriens. Unissons-nous. Eh oh Philippe. Ouh, ça y est, c'est fini, on arrête le rêve là. C'est dommage, ça avait l'air d'être super. Bah, Nicolas, Julie, comment vous êtes arrivés là? On est tout simplement pas partis, Philippe. Non, ne t'inquiète pas, c'est tout une petite hallucination, mais ça va s'arranger, hein. Ne t'inquiète pas, mon petit. Oh bah ça alors. Mon héros de l'espace. Oh là là, mon pauvre Philippe, cela doit être très très difficile d'être un héros de l'espace. Oh si tu savais Julie, je sais pas vraiment ce qui m'est arrivé, mais enfin bon, je m'en suis bien sorti quand même. Tu es revenu avec nous là, en oui, Euro Disney. Attends, est-ce que... Oui, c'est bon. Mais écoute, je crois que c'est à toi de présenter le deuxième indice de notre concours. Oui, tout à fait, mais avant de vous présenter le deuxième indice, je voudrais quand même vous rappeler que grâce à ce concours, vous pourrez peut-être gagner vous aussi un séjour à Euro Disney et vous retrouver à notre place autour du château de la Belle au Bois dormant. Quel plaisir pour vous. Alors donc ce deuxième concours, le voici, ce deuxième indice, pardon, le voici. Regarde Julie, je suis sûre qu'elle tirait très bien. Hop. Oh oui, je serais un petit peu petite peut-être, mais je serais très très fière de porter cette jolie robe, oui. C'est la robe qui appartient au personnage que nous cherchons aujourd'hui et c'est vrai que ça me ferait énormément plaisir de pouvoir porter cette robe. Mais j'ai l'impression qu'on aide vraiment beaucoup nos petits camarades aujourd'hui. Oui, faudrait c'est un pas concours dire un petit peu facile, mais bon, hein, pour une émission exceptionnelle, on peut les aider un petit peu plus. Exactement. Tu sais, j'étais en train de repenser à une chose. Tout à l'heure, Nicolas nous a parlé de Discoveryland, mais il a oublié de nous parler du film de Michael Jackson, oui. Captain Eo, oui,
en trois dimensions. Et oui, c'est un film magnifique que je vous recommande d'aller voir. Vous verrez, c'est somptueux. Ah, mais on doit retrouver Dingo maintenant. Tu sais, il m'étonnera toujours, ce Dingo. Figure-toi qu'il est très fatigué, il a envie de faire une petite sieste. Et pour cela, il dispose son hamac sur un arbre. Mais seulement, voilà, cet arbre est déjà occupé par une espèce de lion, mais gros, tu vois, le lion avec de grosses dents. Alors, je ne sais pas comment on va s'en sortir, Dingo. Moi, je crois que je partirai au courant. Mais Dingo, tu sais que c'est quelqu'un de très fort. Un petit peu notre Nicolas, j'espère qu'il ne nous entend pas, parce que s'il nous entend le comparer avec Dingo, il se fâchera tout à l'heure. Oh là là, oui. Mais voici tout de suite Dingo et le lion.